Quand il s'agit de virus, les chauves-souris ont plutôt mauvaise réputation. Peut-être parce que des indices montrent qu'elles sont à l'origine d'Ebola, de Nipah, de nombreux coronavirus, et qu'on les soupçonne sérieusement d'être au départ de la pandémie de Covid-19 en 2020. Peut-être aussi parce qu'elles ressemblent drôlement à des démons. Et parce qu'en plus de tout ça, chauve-souris, c'est quand même l'anagramme de souche à virus. Mais est-ce que cette mauvaise réputation est justifiée ? Les chauves-souris ont effectivement beaucoup de particularités, mais cependant, est-ce que ce sont des souches à virus ? Ben en fait, pas vraiment. Bon, une chose est sûre, les scientifiques pensent bel et bien que les chauves-souris portent de nombreux virus. Selon cette étude, par exemple, elles portent près de 8 fois plus de familles de virus que les lapins, les lièvres et les pikas. C'est pour ça que beaucoup d'études s'intéressent au système immunitaire de ces mammifères. Et c'est vrai qu'en matière d'immunité, les chauves-souris ne sont pas comme tout le monde. Regardez ces graphiques. Ces courbes, c'est la réplication virale, c'est-à-dire à quel point un virus se multiplie au sein de l'organisme qui l'infecte. Ici, chez la chauve-souris, et ici, chez l'homme. Et là, ces courbes mesurent la réaction immunitaire face aux agressions de ces virus. C'est-à-dire à quel point l'inflammation se développe dans l'organisme. L'inflammation, c'est la réaction naturelle de l'organisme quand il se défend contre les intrus. Et a priori, plus cette réaction est importante, plus elle sera efficace. Mais en réalité, elle peut dégénérer. Lorsque l'inflammation est trop forte, il arrive qu'elle abîme au passage les cellules de l'organisme qu'elle est censée protéger. Ce qui peut aggraver la maladie. Mais revenons à nos graphiques. Ce qu'on y voit, c'est que pour une réplication virale comparable, la réaction inflammatoire des chauves-souris est bien moins forte. Autrement dit, malgré l'intrusion de virus, les chauves-souris auront moins tendance à tomber malades. Elles sont donc moins malades, mais tout en gardant un peu les virus en elles. Cette capacité particulière a été acquise par les chauves-souris au fil de leur évolution, et elle pourrait bien expliquer pourquoi elles en transportent un si grand nombre. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi elles supportent mieux les virus que les autres mammifères. Parmi les hypothèses, il y en a notamment une avancée par des chercheurs chinois. Selon eux, la particularité immunitaire des chauves-souris pourrait venir du fait qu'elles volent. Et oui, pour un mammifère, voler, ça demande beaucoup d'efforts. Cela crée notamment ce que l'on appelle du stress oxydatif, c'est-à-dire une agression des cellules par des molécules instables. De l'ADN peut alors être abîmé et se retrouver là où il n'est pas censé être. Or, des morceaux d'ADN qui ne sont pas à leur place, ça ressemble beaucoup à des virus. Et à force de voir ces choses qui ressemblent à des virus, les chauves-souris se seraient donc habituées à leur présence et auraient développé un système immunitaire moins agressif. Résultat, lorsque de vrais virus les infectent, leur réponse est plus modérée, ce qui leur permettrait de résister à de nombreuses maladies. Bon, cette explication est séduisante, mais c'est qu'une hypothèse. Pour certains chercheurs, on peut aller trouver la réponse au-delà du système immunitaire. It's hard to say at this point whether the immunological differences that have been noted for bats are enough to influence the average risk posed by their viruses. Une des autres pistes donc pour expliquer le nombre de virus chez les chauves-souris, c'est la diversité des espèces. Les chauves-souris, il y en a plus de 1400 espèces, autrement dit une espèce de mammifère sur 5. Et cette diversité est favorable à l'émergence de nouveaux virus. Voilà comment ça se passe. Lorsqu'une chauve-souris porte un virus, il se réplique dans son organisme. Au cours de ces réplications, certaines copies du virus ne sont pas tout à fait identiques. On dit alors qu'il a muté. Et parfois, ces mutations lui permettent de s'adapter à d'autres types de chauves-souris. Le virus n'est alors plus tout à fait le même, il peut se transmettre à d'autres espèces, puis muter à nouveau pour s'adapter à d'autres, etc., etc. Plus il y a d'espèces différentes, plus les virus ont des possibilités pour muter et donc faire apparaître de nouveaux virus. Mais il y a un autre paramètre que le nombre d'espèces, c'est le fait qu'elles se rencontrent beaucoup. En biologie, on appelle ça la sympatrie. Être sympatrique pour deux espèces, c'est vivre dans le même endroit, vivre dans les mêmes lieux, partager en quelque sorte leur niche écologique. C'est ça les espèces sympatriques.
Donc, différentes espèces de chauves-souris vivent au même endroit, et en plus de ça, elles sont plutôt tactiles. Le problème, c'est que les chauves-souris ont quand même un comportement social hyper prononcé. Donc, de fait, sur des grosses populations, quand il y a des comportements sociaux de léchage ou autre, ça diffuse. Par exemple, certaines espèces vivent en très grand nombre. Au Brésil, dans des colonies de chauves-souris molos, on peut trouver jusqu'à 3000 individus par mètre carré et des millions dans un seul gîte. Et puis les chauves-souris ont encore d'autres particularités. Sinon, c'est pas drôle. Elles vivent beaucoup plus longtemps que les autres mammifères aussi légers. Donc elles ont plus de temps pour attraper les virus. Elles ont des régimes très variés. Elles se baladent donc dans beaucoup d'environnements différents pour se nourrir, ce qui les expose à encore plus de virus. Et elles volent, ce qui les rend plus mobiles et augmente encore la taille des zones où elles peuvent être exposées. Bref, l'ensemble de ces caractéristiques favorise a priori l'émergence de virus chez les chauves-souris. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut se poser une dernière question. C'est comment tous ces virus en viennent-ils à menacer les humains ? Eh bien, ça se passe de la même manière que les transmissions entre chauves-souris. Les virus se répliquent, certaines des copies mutent, et parfois ces transformations s'adaptent à d'autres espèces. Ça peut être un humain directement, ou alors d'abord une autre espèce, comme un dromadaire, par exemple. Puis, le virus mute au sein du dromadaire et s'adapte à l'humain. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le MERS-CoV, un autre coronavirus qui a tué des centaines de personnes en 2012. Et quand au bout du compte, la nouvelle espèce compatible est un humain, on appelle la maladie que le virus provoque une zoonose. Les fièvres hémorragiques d'Ebola en sont un exemple, tout comme la rage ou le Covid-19. Bon, ça, c'est la mécanique classique d'adaptation des virus. Mais pour ce qui est de leur transmission, les chauves-souris sont aussi particulièrement efficaces. Comme on l'a dit, elles vivent longtemps, elles mangent de tout, et elles volent. Ce qui est idéal pour s'approcher plus facilement des installations humaines, et aussi des espèces domestiques, qui peuvent servir de relais entre les chauves-souris et les humains. Voilà donc comment les chauves-souris transmettent certaines zoonoses. Mais maintenant, il va falloir parler de chiffres. Parce que si les chauves-souris ont l'air plutôt idéales pour faire émerger et transmettre des zoonoses, est-ce qu'elles en transmettent véritablement beaucoup plus que tous les autres animaux ? Pour essayer de répondre, je vais vous montrer deux graphiques. Celui-ci apparaît dans une étude menée par Christine K. Johnson. Il montre le rapport entre la diversité d'espèces et le nombre de zoonoses. Les chauves-souris représentent à peine plus de 20% des espèces de mammifères et pourtant, elles sont porteuses de 30% des virus responsables des zoonoses. Cet autre graphique a été conçu par Daniel Stricker et Nardus Molenze. Il indique le nombre d'espèces virales, c'est-à-dire de familles de virus, par rapport au nombre d'espèces virales zoonotiques. Parmi les un peu plus de 50 familles de virus que les chauves-souris hébergent, il y en a une vingtaine qui sont transmissibles à l'homme. À première vue donc, on aurait tendance à dire que les chauves-souris hébergent plutôt pas mal de zoonoses. It is absolutely true that bats have important viruses, whether it's Ebola, SARS, rabies. I mean, they have dangerous viruses. But the question of whether they have more than one would expect didn't seem to be answered. Pour se faire une idée, reprenons le premier graphique et ajoutons-y d'autres types d'animaux. On remarque alors que le nombre de zoonoses est corrélé à la diversité des espèces. Par exemple, si on regarde les rongeurs, on voit qu'ils portent plus de zoonoses, mais aussi qu'ils comptent un plus grand nombre d'espèces. A l'inverse, les lagomorphes, qui sont les lièvres, les lapins et les pikas, ont peu d'espèces différentes, et ils totalisent moins de zoonoses. Il semble ici y avoir un rapport de proportionnalité. Et ce n'est pas tout. We found that viruses that are maintained in bats, on average, don't seem to be more likely to infect humans than viruses in any other species. En effet, si on ajoute d'autres animaux dans le deuxième graphique, voilà ce qu'on trouve. On voit que la part de zoonoses par rapport au nombre de virus transportés par les chauves-souris n'est pas plus importante que pour les autres animaux. Parmi les 54 virus qu'elles transportent, un peu moins de la moitié peut être transmise à l'homme.
Et sur les rongeurs, c'est à peu près pareil. Sur les 105 virus qu'ils hébergent, un peu moins de la moitié d'entre eux peuvent provoquer des zoonoses. Là aussi, se dessine un rapport de proportionnalité. Et puis, on voit même qu'en valeur absolue, les primates, les rongeurs ou les artiodactyles, qui englobent les porcs ou les vaches par exemple, transportent plus de zoonoses. Bien, faisons le point sur tout ce qu'on vient de se dire. Les chauves-souris portent bel et bien de nombreux virus, dont certains sont potentiellement dangereux pour l'homme. C'est un fait. Mais il semblerait que proportionnellement, ce ne soit pas vraiment plus le cas que chez d'autres animaux. Par exemple, si les espèces de lapins avaient été beaucoup plus nombreuses que les espèces de chauves-souris, alors il aurait été vraisemblable qu'ils portent plus de virus. Et enfin, il faut bien avoir en tête une chose. Ce ne sont pas vraiment les chauves-souris qui sont les responsables de tous ces virus. Il y a un autre coupable. L'être humain. Eh oui, avec l'empiètement des installations urbaines, agricoles et industrielles sur les espaces sauvages, l'humanité s'est rapprochée des habitats où vivent notamment les chauves-souris. Autrement dit, les humains se sont en quelque sorte rapprochés des virus. À ce sujet, je vous invite à regarder cette autre vidéo que nous avons faite et qui explique que la chauve-souris n'est peut-être pas la seule espèce à pointer du doigt.